Bonjour, un petit tutoriel sur en fait les disponibilités et indisponibilités à remplir dans TrainingPlix dans votre calendrier. Donc vous allez sur votre calendrier, donc là on est sur la page d'accueil, on va cliquer sur le calendrier. Et ensuite à la date du jour, par exemple là moi je ne vais pas être disponible le 14 juillet, je vais appuyer sur le petit plus du calendrier. Je vais ici me déplacer donc dans entraînement autre, voilà, et je vais mettre disponibilité. Ici je ne suis pas en mesure de m'entraîner, je vais mettre que tout simplement je travaille ce jour-là. Hop, et on peut remettre une petite description. Voilà, pas dispo de la journée. Hop, voilà, et vous avez simplement ensuite à valider tout ça ici. Voilà, donc là, c'est validé. Et là, en fait, quand je suis coach, moi, je reçois ça et je vois exactement en fait votre disponibilité, indisponibilité. Il y a une deuxième aussi fonction, c'est se rendre disponible qu'à moitié en fait ou limité. Donc vous allez cliquer sur j'ai une disponibilité limitée. Et par exemple, bah en fait moi aujourd'hui je peux que nager ou courir parce que tout simplement, voilà, donc description, on peut le mettre ici. Bah là par exemple, je sais pas, je suis en vacances par exemple. Alors je vais pas mettre là ici, mes vacances et pas de vélo. Hop, et vous validez. Voilà, c'est tout simple, mais ça permet de vraiment bien organiser votre planning d'entraînement.